Eh bien salut à tous, c'est Skizo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur les menus. Vous étiez nombreux à me demander euh, de vous représenter un peu tous les menus de farming et euh, de présenter un peu les changements et quelques détails techniques. Alors, au départ, j'en voyais pas l'utilité. Et en fait, euh, en faisant la vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de changements et qu'il y avait quelque chose, il y avait quelques subtilités à vous faire découvrir. Donc pour le premier menu, nous allons partir sur Carrière. Vous allez avoir tous les emplacements vides, bien sûr, de vos futurs save de partie farming 25. Vous aurez la possibilité de choisir en haut à gauche votre carte. Donc l'américaine, l'asiatique et l'européenne, bien sûr. Avec plusieurs modes. Nouveau fermier, gérant de ferme et partir de zéro, et dans chacune d'entre elles, vous allez pouvoir choisir soit de démarrer avec une ferme et du matériel, soit d'avoir aussi la visite guidée d'introduction que je vous montrerai en vidéo très bientôt, qui est assez interactive et assez sympa à comprendre. Vous aurez la possibilité aussi de démarrer avec de l'argent de départ de votre choix. Vous pouvez aller entre 1 million et bien sûr 100 000 et démarrer avec le prêt activé. Donc vous pouvez être à 0 de prêt ou si vous cliquez sur le bouton vous êtes à 1 million. Attention, si vous êtes à 1 million et que vous remboursez en dessous de la barre des 500 000, vous ne pourrez pas remonter au-dessus. Petite information. Difficulté économique, difficile, normale et... Facile, ça va pas trop changer de ce côté-là. Pour vous donner un petit exemple sur les rendements culture qu'on vous a donné en tableau avec les, les tableaux de production aussi pour euh, toutes les chaînes de prod, si vous voulez bien comprendre comment ça marche, bah, c'est en fait le mode normal, bah c'est du normal donc c'est égal. Le mode difficile est divisé par deux au niveau des tarifs et le mode facile est multiplié par deux. Dans la partie multijoueur, bien sûr, vous allez trouver rejoindre une partie, créer une partie ou louer un serveur dédié. Pour rejoindre une partie, rien de compliqué. Pour bien sûr rechercher les parties multijoueurs, il y aura Rien de compliqué, vous irez dans nom de partie. Vous taperez le nom de partie que vous voulez chercher. Vous avez la possibilité de la sélectionner en filtre par carte, donc Riverbone Spring, Antan Pantai ou Zelanka. Donc, bien sûr, en langue, vous allez pouvoir trouver les serveurs français, spanish, russe, italien, portugais, hungarian, dutch, chinaise, chine traditionnelle, brésilienne, euh, turque, romani, coréen, spanish, danish. Finnish, euh, Norvégien, Suédois, Canadien, Français, Ukrainien vietnamien, indonésien, et English, Dutch, japonais, polski, tchèque, et bien sûr, on revient sur le français. C'est pour ça que c'est très important quand vous allez régler vos dédicatés de serveurs de bien le mettre en français parce que si vous le mettez sur une langue étrangère, eh ben, vous allez avoir du mal à trouver vos serveurs et c'est la plus grande cause des, des bips qu'on a sur notre Discord pour aider les gars, c'est parce que leur serveur est parti en Angleterre. Voilà, trois quarts du temps, c'est ça. Si vous avez des quatre slots par exemple dans votre serveur, et eh ben vous pouvez régler. Là, vous allez avoir le filtre par deux joueurs maximum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Si bien sûr vous avez des mots de passe, et ben il va falloir marquer inclure les parties protégées par mot de passe. C'est donc c'est ce menu-là. Si vous n'avez pas de mot de passe, vous pouvez mettre un nom. Ici. Inclure les parties complètes, en fait, c'est tout simplement les parties qui sont full, comme vous voyez ici, 2 sur 2, là. Voilà, sur cette ligne-là, 2 sur 2. En fait, ça vous les affiche. Si vous les enlevez, hop, ça disparaît. Ici, vous avez uniquement les modes et DLC installés. Donc ça veut dire que ce que vous aurez sur votre PC, si vous mettez oui, ça va trier avec les modes que vous avez dans votre PC. Attention, s'il y a une mise à jour, il y a de fortes chances que vous ne retrouverez plus votre serveur parce que vous n'êtes plus à jour par rapport au serveur. Donc je vous conseille vraiment de désactiver cette option. Autoriser le crossplay, bah c'est tout simplement, euh, si vous cherchez un serveur console, il va falloir mettre oui. Si vous cherchez un serveur PC, vous pourrez mettre non. Ça va enlever pas mal de filtres. Si vous désirez créer une partie, rien de compliqué, vous reprendrez votre save. Que vous aurez fait, vous démarrez, up, confirmer, continuez, et vous allez avoir un petit menu de réglage. Donc comme vous voyez, ça sera ici le nom de partie, votre mot de passe que vous avez mettre, le numéro de port, vous n'êtes pas obligé de le changer, vous pouvez le laisser et je vous conseille vraiment de le laisser. La connexion DSL que vous savez. Voilà. DSL 25, 50, 100 ou LAN. Je vous conseille vraiment de la laisser d'origine, de ne pas toucher. Parce qu'en temps normal, c'est les pré-réglages de votre config. Joueur maximum que vous pouvez augmenter suivant la qualité de votre internet. Voilà. Donc là, je peux monter qu'à 4, par exemple. Et si je le remets sur DSL 16000, voilà, vous allez pouvoir monter jusqu'à 8 en héberger. Attention, il va falloir la fibre. Ce menu, autoriser le crossplay, bien sûr, si vous voulez que les gars consoles puissent vous rejoindre. Acceptation automatique, si vous mettez non, ça va vous demander à chaque fois que quelqu'un se connecte de l'autoriser à rentrer dans la partie. Si vous mettez oui, bien sûr, ça va automatiquement connecter la personne dans votre partie. Cette option est très bien si vous n'avez pas de mot de passe sur votre serveur. Louer un serveur dédié Alors je vous conseillerais vraiment d'aller voir dans la description. Nous avons Pocket Host en tant que nouveau partenaire de la chaîne. J'ai pris mes 5% de royalties, je les ai reversés en remise pour vous direct, ce qui fait une remise de 15% sur les serveurs et qui du coup revient moins cher que j'ai porté. On a pu tester en live le dernier coup à 16 personnes avec cross-platform activé. On, on a joué vraiment très bien quand on joue en mode normal. Après, on a cherché à vraiment, vraiment, vraiment planter le serveur. On a réussi à le planter avec les consoles. On a refait l'essai sans les consoles. On s'est retrouvé à dire qu'on n'a pas réussi de toute la soirée à le replanter. Donc, les machines sont vraiment très, très fortes et marchent très, très bien. Donc, allez voir. C'est moins cher que GPortal, portal C'est plus performant. Et vous avez moins 15% avec le code schizophabe 15 Voilà le. Le lien est en description de vidéo. Contenu téléchargeable, on retrouve tout le mode hub cross plateforme alors attention suivant où vous êtes bien sûr si vous êtes sur console vous aurez que les modes console si vous êtes sur pc vous avez la possibilité d'avoir les deux ce qui est disponible console et ce qui est disponible spécialement pc donc catégorie ça vous donnera toutes les catégories tout simplement des véhicules qui viennent de sortir sur le mode hub les meilleurs c'est ceux qui ont été les mieux notés les plus téléchargés, bah bien sûr, ceux qui ont été le plus téléchargés. Les plus récents, c'est les derniers sortis. Et les recommandés, ça sera tout simplement ceux qui seront recommandés pour améliorer vos parties. Ici, vous retrouverez les modes installés dans le deuxième onglet. Donc, comme vous voyez, le Money Cheat de King Mode que je vous avais présenté dans la vidéo, bien sûr, mod Hub Actualité qu'on va faire toutes les semaines. Tout le Mode Hub que j'ai, tout le Mode Hub qui est disponible et qu'on vous a présenté. La McDonald's et j'ai la CR11 aussi, sauf qu'elle n'est pas marquée dans les modes parce que c'est un petit additionnel de peinture qu'on retrouve directement in-game. Ici, dans ce menu-là, vous retrouverez les mises à jour du mode hub. Donc s'il y a un mode qui a été mis à jour, vous retrouverez la mise à jour-là et vous suffira de cliquer dessus pour pouvoir le mettre à jour. Les DLC de Giant, bien sûr, avec le code schizophab. Directement partenaire de giant dessus, n'hésitez pas à l'utiliser, ça fait énormément plaisir et ça soutient énormément la chaîne. Ou là, pour l'instant, on a la McDonald, mais le Season Pass 1 va nous remplir plein d'autres contenus qui va être bien sympathique. Et ici, dans le dernier onglet, vous retrouverez le contenu additionnel. Et on retrouve la New Holland Edition or. Dans la page succès, vous allez retrouver tous les succès en cours de votre partie. Voilà, il y en a beaucoup. Il y en a 45 à faire. Donc je vous invite vraiment à essayer de tryharder un peu ces succès. Ça vous permettra de vous guider un peu mieux dans les parties. Et c'est assez sympa. Dans les options paramètres généraux, comment vous dire, langue multijoueur, vous allez pouvoir choisir votre langue commande aide. Alors attention, la traduction elle est pourrie à partir de ce moment là. Ça marque choisissez le périphérique qui sera affiché par défaut. Si vous mettez auto, ça va choisir automatiquement le périphérique que vous allez brancher. Je vous conseille de le laisser en auto, surtout si vous êtes un peu comme moi, que vous avez une manette qui déconne et que vous devez la rebrancher toutes les 30 secondes. Ça permettra de rester directement dessus. Sinon, clavier, manette. Bien sûr, volant et tout ce qui va qui en suit, quoi. Dans commande du périphérique d'entrée, bien sûr, vous allez retrouver manette et volant. Si vous voulez pas jouer manette volant, mais que vous l'aviez branché sur votre ordinateur, vous pouvez le désactiver en émettant non. Le suivi de mouvement, la tête en fait, c'est tout simplement quand vous allez tourner le volant, ça va tourner votre tête. Voilà, vous pouvez désactiver cette option. Retour de force, même s'il est un peu inexistant dans Farming 25 et vraiment très légèrement existant, vous pouvez régler la puissance. Voilà, même si vous le mettez à 100%, vous allez voir qu'il est pas fou Inverser l'axe vertical, j'ai pas besoin de vous le dire, vous avez compris, non, oui, voilà, déactiver, désactiver. Le volume général du jeu, donc qui concerne tous les sons de jeu, donc c'est juste pour baisser votre volume. Le volume de la musique, bah si vous êtes comme moi, vous le désactivez pour une question de copyright, moi je suis obligé de le désactiver, mais vous pouvez le réduire à 10 si vous voulez. Volume des véhicules, volume bien sûr de l'environnement. Volume des personnages, volume de la radio, volume de l'interface graphique. Donc, l'interface graphique, c'est ce, ce petit bruit que vous entendez en fond là. C'est ça l'interface graphique. Volume de jeu en dehors du champ de vision. Alors, ça, ça marche pas. Parce qu'en temps normal, c'est le volume du jeu. Quand vous êtes euh, comme moi, en double écran, et que vous passez sur un deuxième écran, ça garde le volume du jeu. Eh ben, ça le désactive. Moi, je vois qu'il est marqué sur non. Je vais le réactiver pour voir. Mais de souvenir, normalement, cette option, dès que vous passez d'un écran à un autre, ça fonctionne plus. Ça a peut-être été amélioré. Affaire à suivre. Volume du chat vocal. C'est bien sûr le volume du chat vocal in-game. C'est pas Discord. <laughs> le volume d'entrée d'enregistrement vocal, c'est pour augmenter ou baisser votre son en in-game, bien sûr. Et la mode de saisie vocale, vous avez trois options. Donc non, ça désactive. Tout, activer vocal. Ce paramètre chance quand votre voix est envoyée aux autres joueurs, ceci peut être ajusté dans les paramètres d'assignation des touches. Appuyez pour parler, c'est le touche total. Paramètres graphiques. Alors là, on rentre dans une donnée technique qui va appartenir à votre machine. Donc je vais essayer de détailler un tout petit peu. Et vous dire les options à oublier vraiment pour avoir un très beau farming. Moi, il faut savoir que je suis sur un i7 11700, donc euh, qui est de 11 e génération, et j'ai une 2080 basique de, en, 8 giga, en 16 Go de RAM. Voilà, qui est euh, potable pour farming. Donc, je joue en résolution 1080, mais si vous voulez jouer en 4K, vous pouvez tout à fait y monter en 4K. Alors attention, plus vous allez monter, plus ça va être gourmand. La synchronisation verticale, ça dépendra de votre écran. Si vous avez le G5 ou euh, le AMD5, vous pouvez tout à fait l'activer. La limite de fréquence, qui est une option qui est très très utile pour optimiser vos performances. Donc, moi, pour une question de règles, je suis obligé de le laisser à 60, mais vous pouvez le brider un peu plus haut. Attention à ne pas dépasser votre capacité d'écran si votre écran fait euh, par exemple 60 Hz et vous le réglez en 144 euh, le jeu va commencer à mouliner il va pas comprendre ne dépassez pas ce que votre écran est capable de faire mode fenêtré eh ben mode fenêtré ou plein écran. Donc plein écran ça veut dire que quand je vais le mettre en plein écran et que je vais changer de fenêtre, ça va l'éteindre. Enfin ça va le. ça va pas l'éteindre, mais ça va le fermer. Et vous Il fera recliquer sur le jeu pour ouvrir. En plein écran exclusif, ça permet de jouer en mode plein écran ou mode fenêtré. Et en mode fenêtré, bah ben, c'est la mode fenêtre, vous allez pouvoir switcher, mais vous n'aurez pas votre bureau en arrière-plan. L'échelle de résolution, c'est pour vraiment convertir le jeu en haute résolution. Alors, je suis à 100% de base sur la 2080. J'ai pas encore fignolé tout à fait mes réglages. Mais ça, c'est une option peut-être que je monterai un tout petit peu. Ce qui permet d'avoir une réduction des pixels. Je vais augmenter l'échelle de résolution, ce qui va le faire convertir l'image. Ça peut manger énormément de ressources. Luminosité, bien sûr, c'est si vous voyez que le jeu est un peu trop clair pour vous, bah vous pouvez le foncer ou vice-versa dans l'autre sens. L'échelle de l'ATH en jeu, si vous trouvez que l'ATH il vous paraît gros, vous pouvez tout simplement le réduire. En bas, vous avez paramètres graphiques avancés. Cette option, je vous conseille, si vous connaissez rien, de ne pas y aller. Régler à partir de là. Bien sûr, profil principal, j'ai oublié de dire, mais on a LV, euh, LV ultra... Euh, l'eau est euh, normale donc on retrouve du coup ce profil de matériel au démarrage qui vous donne tous les réglages un par un la distance de rendu des objets c'est tout simplement tous les objets qui sont sur la map c'est la distance de rendu de où vous allez les voir en fait, plus vous allez augmenter cette valeur et plus vous allez voir de loin les objets. Distance de rendu de feuillage, ben c'est exactement pareil pour les feuillages, de loin vous allez voir un arbre, ça va être un peu cubique Minecraft, et plus vous allez vous en approcher, plus il y aura de détails, et en fait cette distance de rendu de feuillage c'est pareil, c'est très gourmand, plus vous allez le mettre loin, mieux votre bien sûr votre jeu sera meilleur mais plus ça va être gourmand distance de niveau de détail c'est pour tous les petits pixels les coins les angles les routes les tout ça tout pour tout lisser pour tout que ça rende très beau bon. si vous augmentez cette distance de niveau de détail attention c'est très 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 gourmand Distance de niveau de détail du terrain, bah là c'est exactement pareil, sauf que c'est pour le terrain et pas pour euh, le décor, entre guillemets. Donc l'échelle de résolution 3D, vous pouvez augmenter euh, cette, euh, cette option si vous avez envie tout simplement d'augmenter la résolution vraiment 3D. Donc ça veut dire d'avoir la modélisation qui, qui soit beaucoup plus détaillée en fait. Qualité des nuanceurs, influence les détails du terrain et des objets, diminuer cette valeur peut améliorer les performances et oui, parce que plus vous allez être bien sûr élevé et plus ça risque d'être... Gourmand. Le taux d'ombrage, bah exactement pareil en fait. Si vous jouez avec euh, la lumière de nuit et vous essayez de faire des ombres avec les poteaux, plus vous allez être élevé et plus vous allez vous rendre compte que c'est gourmand en énergie. Ça super style à avoir, mais c'est très gourmand pour des petites configs. Le taux d'ombrage de l'espace écran optimise les performances en fonction de la luminiscence et de la vitesse. Pour une légère perte de fidélité visuelle. Je ne vous conseille pas de l'activer. En fait, si vous activez cette option-là, quand vous allez avoir les feux ou quoi que ce soit, ça va vous fait un sorte de rideau flouté. Et c'est moche, c'est un peu comme le DLS quand il active à fond. Ça, ça fait un effet de, un effet de, de vague, euh, style, t'as fumé 10 joints. Et bah, faut éviter vraiment. Enfin, évitez-le quoi. Mais par contre, ça peut économiser vos ressources. reflets d'espace sur l'écran, ajuste la qualité des reflets. Voilà, tout simplement. C'est euh, les reflets qu'il y a euh, des véhicules, de l'ombrage, de, de tout ça. Tout ce qui est reflet euh, à travers euh, un miroir ou un truc comme ça, vous pouvez augmenter la qualité. Vous pouvez aussi désactiver tout simplement l'ombrage de l'espace d'écran. Donc si vous le désactivez, bah, vous aurez le jeu un tout petit peu moins beau. Mais en tout cas, vous aurez plus d'ombre à reflet, la qualité de l'occlusion ambiante. Attention, vous pouvez l'augmenter, mais plus vous allez l'augmenter, plus ça va être très gourmand. La qualité de l'atmosphère, c'est tout simplement les détails dans le ciel. Le brouillard, bah voilà, hein, qualité de brouillard, je vais pas vous expliquer plus. C'est bien sûr euh, au moment où il va le voir le brouillard qui va apparaître. Soit ça va vous faire un petit décor fluide et très très propre quand vous êtes en full ultra. Soit vous allez arriver et en normal, on va dire, vous voyez déjà que il est beaucoup moins dense, beaucoup moins épais et beaucoup moins réaliste. Ombrage des nuages. Je me suis je me suis rendu compte que cette option mangeait énormément sur la carte graphique, mais qui est super stylée moi-même, je l'avais désactivé pour une question technique vu que j'étais en train de tourner en full 4K pour essayer. Je vais le réactiver parce que là j'ai remis mes réglages, mes anciens réglages, mais les ombres des nuages, c'est super stylé quand vous êtes dans le champ, vous êtes en train de moissonner en pleine journée, il y a un nuage qui passe, vous voyez vraiment l'ombre dans les champs et je trouve ça super beau. La qualité du terrain bien sûr, c'est ça ajuste les textures terrain. Alors attention, la texture terrain, c'est pas la modélisation 3D. La texture terrain, c'est le détail du dessin sur le terrain. La résolution des textures, bah, c'est le texture, c'est l'image qui apparaît et le filtrage des textures, Texture, vous pouvez... L'augmenter ou le réduire, attention, c'est pareil, ça, ça, c'est gourmand, c'est très gourmand. La qualité d'éclairage, si vous la voulez en élevé ou en faible, plus vous allez l'augmenter, plus ça va être gourmand. Voilà, vous avez, je, je crois que vous commencez à comprendre un peu comment ça marche. Les reflets de lentilles, alors lentilles, c'est la traduction, euh, c'est pas à manger les lentilles, hein, je vous le dis tout de suite. Il n'y a pas encore de culture de lentilles sur farming. C'est les reflets de lunettes en fait, c'est les reflets de carreaux. Voilà, donc plus vous allez augmenter ce détail-là, plus en fait vous aurez de reflets. Euh, on a fait un peu l'essai sur serveur hier, on a mis une lampe sur la CR11, j'étais augmenté hier, ça, ça, ça donne flashy, hein. le montez pas trop, parce que c'est vraiment... Ça flash, c'est... L'impression que c'est un projecteur. Quoi. Qualité des ombres, bah, c'est tout ce qui est ombrage. Voilà, tout ce qui est ombrage si vous voulez descendre. Les ombres distantes, c'est tout ce qui est loin et qui est hors champ de vision principal, qui est vraiment en arrière-plan. Si vous voulez garder des ombres, je vous conseille de le désactiver, ça rend le jeu joli. Mais c'est pas d'une grande intérêt si vous voulez gratter un peu de performance, vous pouvez la gratter là-dessus. D'ailleurs même moi je vais la redescendre en moyen. Adoucir les ombres de manière réaliste en fonction de la distance de la source lumineuse et de l'ombre projetée. Donc en fait si vous voulez, alors moi je l'ai désactivé mais je vais le je vais pouvoir le réactiver. C'est tout simplement pour éviter justement ces sources lumineuses trop fortes quand vous, euh, quand, quand vous regardez le jeu et quand vous mettez des coups de lampe ou vous passez à côté d'un tracteur ou d'un véhicule un PNJ. L'adoucir, c'est pas dégueulasse mais ça consomme un peu. Ajuster la qualité des ombres, diminuer cette valeur pour améliorer les performances. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qui, qui est énormément sollicité. Donc tout ce qui est visuel, on a des cartes qui sont quand même pas très vallonnées et qui sont euh, vachement grandes de, de visuel. Et du coup, plus vous allez lui demander de détails plus ça va être compliqué et du coup ça va créer des problèmes donc euh, je vous conseille de le descendre en, en faible si vous avez la performance pour le faire Mettez-le en élevé. Moi, ça passait en élevé en 2080, mais j'étais un peu gourmand. J'étais à 40 fps, quoi. Ombrage du feuillage. Bah, c'est tout ce qui va être ombre des feuilles pour voir bien le soleil passer à travers les feuilles et faire des ombres. En fait, les, le, le bel effet visuel qu'on a dernièrement sur Farming Simulator 25. Bah, soit vous l'activez, soit vous le désactivez. Moi, je vous conseille de le laisser activer. C'est pas si gourmand que ça, mais c'est vraiment stylé, euh, de croiser un lever du soleil avec. Les gyrophares réalistes, comme vous voulez, vous savez, vous connaissez. Chant du vision 60 degrés voilà c'est pour augmenter la zone maximum visible vous connaissez champ de vision champ de vision première personne champ de vision troisième personne d'origine les paramètres de, de champ de vision sont quand même assez propres assez réalistes je, je les aime plutôt plutôt bien lumière d'ombre max détermine le nombre de la lumière pouvant projeter une ombre simultanément diminuant cette valeur peut améliorer les performances bah ben oui parce que plus vous allez mettre en simultané des ombres empilées plus ça va être gourmand, puis il va falloir les générer. Donc je vous conseille vraiment de rester soit sur l'origine 3, soit si vous avez les perfs, de le remonter. Mais attention de pas trop trafiquer dans les réglages comme ça parce que vous aurez vite fait de mettre votre jeu en PLS même avec une 4090 Exactement pour les rétroviseurs max ne mettez pas le maximum de rétroviseurs disponibles. Entre 4 et 4-5, c'est déjà bien. Déjà plutôt bien. Et ça évitera de taper trop fort sur vos performances. Traces de pneus max, c'est euh, comme dans Farming 22. En fait, si vous voulez, vous allez rouler pendant un moment dans un champ. Au bout d'un moment, ces, ces traces vont s'effacer. Et si vous voulez que ça reste le plus longtemps possible et bah, augmenter à fond cette donnée, alors attention, avec le terrain dynamique qu'on a aujourd'hui, il faut savoir que plus vous allez augmenter cette valeur, plus il va falloir qu'il garde en mémoire euh, les passages entre guillemets de roue et plus ça va être gourmand pour le, la carte graphique à générer quoi. Le volume de cadréage de maille je rentrerai pas en voilà je vous rentrerai pas dans les explications précises mais euh, ça ajuste la qualité d'image des fils volume et des objets détaillés voilà donc euh, plus vous allez l'augmenter plus ça va être gourmand plus vous allez descendre mieux ça va aller l'anti crénage post post processeur donc le multi-sampling avec le post processeur le DLS le FIDELI FX super résolution la génération d'images, le Intel, le netteté, la qualité de la DRS, l'IPS et tout ça, enfin toutes les, les options qu'on a là, les dernières options qu'on a ici, ça les gars, si vous voulez le régler, c'est... Votre config qui fera le café en fait. Je peux pas vous donner un poste euh, démarrage simple. Vous pouvez me copier si vous voulez. Moi je suis en 2080. Ça passe plutôt pas mal et c'est pas dégueulasse. Si vous voulez optimiser... Moi là je suis en train de lui tirer à fond sur la gueule de la carte graphique. Mais si vous voulez l'optimiser vous pouvez activer le DLS. Mais vous allez voir que l'image est un peu dégradée. Vous pouvez euh, on va dire essayer de mettre la super résolution 3 et la super résolution 1. Vous allez voir que c'est hyper gourmand et que ça marche pas forcément de fou non plus. Alors attention, hein, vous en avez qui sont dédiés pour Nvidia, il y en a d'autres qui sont dédiés pour AMD, j'ai oublié de le préciser, il y en a aussi pour Intel, pardon. Vous pouvez augmenter la netteté du jeu, qui est euh, mange pas trop sur, euh, sur vraiment sur le. Sur la performance. Évitez de le mettre trop net, sinon ça vous fera une image un peu bizarre. Les commandes du jeu, bah je crois que j'ai pas besoin forcément de vous expliquer à quoi ça sert. Vous avez joueur et déplacement, tous les déplacements du joueur, bien sûr. Le mode construction, si vous avez envie de changer vos touches, les véhicules conduites. Voilà, tout simplement. Alors si vous avez un volant ou une manette, bien sûr, ici, ça va afficher les touches manette et volant. Ce qui va être, euh, ce qui va être plutôt intéressant si vous avez une touche à reconfigurer. Surtout si vous êtes en, en, en pad ou en, ou en volant comme moi en, 900, en enfin 929, il va falloir reconfigurer un peu certaines touches. Euh, si vous, pareil, vous faites un volant plus True Master en joystick, peut-être qu'il y a des touches qu'il va falloir reconfigurer. Bah, ça sera tout simplement dans ce menu-là. La dernière option, c'est appareil. Donc appareil, pour l'instant, j'ai... Que la souris, donc c'est la sensibilité de la souris, donc euh, votre curseur, comment il se déplace dessus, pas trop d'importance, mais par contre pour le volant, vous retrouverez les angles morts et pour les joysticks, pareil, les, euh, les angles morts avec euh, la sensibilité. Donc euh, si vous avez quelque chose à régler aussi, si vous avez des manettes ou des joys ou des, des volants à régler, il faudra revenir dans ce menu là pour essayer de le régler. L'onglet crédit, bah, c'est tout simplement de les crédits de Farming Simulator 25, tous les créateurs, les, voilà, les producteurs, les chefs techniciens et tout ce qui va euh, ensuite. Et tout ça, je vous laisserai regarder le menu. Et bien sûr, bah, quitter, c'est quitter le jeu. Mais avant de quitter, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de partager la vidéo pour quelqu'un qui ça pourrait aider, un débutant ou quoi que ce soit. C'est vraiment un guide pour débutants. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas, on a toujours le lien Instant Gaming pour le jeu promo de, du mois. On vous fait gagner, c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer sur un bouton participer d'avoir un compte Instant Gaming. On se dit à la prochaine à Esquizo. Ciao, bonsoir, ciao, ciao. Et hop, on quitte. Des astuces sans l'or pour un les plus fort, console, PC, peu importe l'écran, avec schizophabe, tu deviens un vrai gagnant.